Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon, que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est vraiment grave, même très grave, ce qui vient de se passer au festival de Travis Scott le samedi dernier. Moi je ne savais pas tout ça, je n'étais pas au courant. Ce qui s'est passé au festival de Travis Scott est vraiment grave. Il y a eu 8 morts et plus de 300 blessés. Sérieux? Ah! Vous voyez là-bas? On nous dit qu'il y avait plus de 50 000 personnes. Il y avait plus de 50 000 personnes et à un moment donné, il y a eu bousculade. Il y a eu bousculade. Et c'est dans cette bousculade-là que il y a eu 8 morts et 300, en fait, plus de 300 blessés selon l'information que je viens de recevoir. Vraiment, qu'est-ce que c'est? Et je découvre encore que certaines personnes sont en train de révéler que qu'il y a eu un truc, il y a une chose d'inattendue. Vraiment, je ne sais pas si c'est vrai, mais les gens veulent dire que il y a quelqu'un qui injectait de la drogue aux gens là-bas. Il piquait la drogue aux gens. Ouais, non. Et tout se mélangeait là-bas. Tout était bizarre. Au point où les gens ont commencé à tomber, quoi. C'est-à-dire ceux qui piquaient là, qui n'ont pas pu supporter la dose, ont commencé à tomber. D'autres ont commencé à vous. Genre, ça dit, ils sont tombés et puis on voyait la mousse sortir de leur bouche. Et beaucoup de signes. Et on nous dit que la police est en train d'analyser cette piste pour voir ce qui s'est réellement passé. Mais 8 morts, 8 morts, c'est pas petit, hein? 8 morts. Selon, et après, on nous a dit que Travis Scott a exprimé combien de fois il était choqué. Et qu'il a dit aussi qu'il serait prêt à aider la communauté où c'est passé là. C'est-à-dire la ville, l'endroit, était prêt à les aider, à soutenir les familles qui ont été touchées par ça. C'est un événement qu'il n'avait pas vu venir, selon lui. Et, waouh, c'est assez inquiétant. Êtes-vous informé de cela? Êtes-vous informé de cela? Ah, il a dû annuler son deuxième festival. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, souhaitons d'abord la condoléance à cette famille. La condoléance à toutes ces familles. Les gens ont l'habitude de dire rip, 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 rip. Ok, rip, comme c'est écrit là-bas. Mais moi, parfois, il y a des choses que je ne peux pas accepter. Quand on parle de mort, vraiment, c'est assez compliqué. On a dit que la police était en train d'étudier cette piste-là. La police était d'analyser cette piste-là. Pour essayer de voir qui a donné quoi à qui est venu injecter la drogue aux gens. Vous savez que dans la foule là-bas, on nous dit 50 000 personnes. Vous savez que dans la foule là, c'est mélangé. Les gens sont bien collés, collés. Donc, quelqu'un qui est très fort dans les piqûres de drogue aux gens, cette personne peut venir facilement piquer les gens. Facile. Vous voyez ça? Si c'est vrai ce qu'elle raconte à ce niveau, c'est que c'est vraiment dangereux de se retrouver dans une telle foule. Et il y a des morts.
Mes frères et sœurs, moi, ce que je peux vous dire, vraiment, moi, je vais vous dire un truc, c'est que dans la vie, il faut savoir où on va et ce qu'on va faire là-bas. Parfois, à certains endroits où vous allez là, et cet endroit-là vous attire des problèmes. Ce sont des choses qui sont réelles, vraiment réelles. Aujourd'hui, dimanche, si toi tu vas à l'église, c'est que c'est pour être en présence de Dieu. Si quelque chose t'arrive là-bas, ça sera sur le compte de qui? Ça sera sur le compte de Dieu. Mais si tu vas dans un autre endroit que un endroit où Dieu et son esprit siègent, ça veut dire que ce qui va se passer là-bas aussi, c'est toi qui vas tirer l'entière responsabilité. Parfois, il y a des gens que vous suivez là. Vous les suivez parce que vous les suivez. Alors que, en les suivant, hein, ces gens-là peuvent vous attirer des malheurs, peuvent vous attirer des problèmes. Mais, vous êtes dans ça. Vous êtes vraiment dans ça. Quand on vous dit de donner votre vie à Dieu, vous ne voulez pas. Ces stars disent que oh, nous sommes déjà riches et puis on adore le diable. On fait ceci. On fait les choses pour lui. Mais le résultat est là. Le problème avec ces choses, c'est qu'à un moment donné là, puisque c'est le diable qui soutient la musique mondaine, puisque c'est le diable qui soutient la musique profane, ce qui va se passer, c'est que ce même diable, à un moment donné, il va venir et puis il va recruter des âmes, va prendre des sacrifices. C'est en ce moment-là que des choses pareilles peuvent arriver. Que le chanteur soit au courant ou pas, de telles choses peuvent arriver. Il y a des moments, Ariana Grande, à un moment donné, il y a eu des explosions dans un concert où elle était. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés aussi. Vous savez que le diable, s'il veut faire son travail, il ne va pas utiliser n'importe qui. Il va utiliser les gens qui sont bien connus, bien célèbres, comme plusieurs fans, afin d'attirer du monde. Et lui, il va prendre son guet dedans, il va prendre sa part. Cela va envoyer des individus mal intentionnés pour venir semer le désordre, pour venir semer la cisanie. De ce temps-ci où on attend beaucoup parler de mort, vraiment, moi, je vais vous demander de beaucoup faire très attention. Faites beaucoup très attention. Très, très, très attention. Parce que beaucoup de choses se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas vous dire ouvertement ici, mais moi, je vous dis certaines choses pour attirer votre attention sur ça. Mes frères et sœurs, sachez qui vous suivez sur cette terre. Sachez chez qui vous allez. Si vous allez à l'église, vous allez chercher Dieu. Donc, tout ce qui va vous arriver sur le chemin, ça sera à cause de Dieu. Mais si vous allez chez le diable, tout ce qui va vous arriver là-bas, Dieu ne sera pas témoin. C'est-à-dire que tout ce qui va vous arriver sur le chemin, ça sera à cause du diable. Maintenant, calculez. Calculez. Je veux rien dire de plus. Je vais m'arrêter à l'appel au monde. Et vous donnez donc la prochaine vidéo.